Bonjour à tous et bienvenue sur Fashion Africa Channel. Je suis Rianne, votre présentatrice. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une dame très très belle et très talentueuse. Bonjour Enera. Hello Rianne, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci de nous avoir reçus dans ton magnifique salon. Merci beaucoup. Pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Aren Kouma. Je suis coiffeuse, on va dire, et entrepreneur. On a un salon de coiffure ici à Dakar. On vend des perruques. On fait toute la production, la confection, customisation et tout. Et en même temps, on vend des produits capillaires en même temps aussi. Ouais. D'accord, très bien. Parlez-nous un peu de votre parcours. Bon, moi, j'ai pas eu un parcours assez normal, on va dire. J'ai pas fait l'école de coiffure, par exemple. J'ai été dans une... On va dire que j'ai eu mon diplôme quand j'étais aux États-Unis. J'ai eu mon bachelor en international business et marketing. Et j'ai travaillé pendant 3-4 ans avant de décider de rentrer au Sénégal et poursuivre ma passion, en fait. Donc, j'ai démarré Enera Beauty vers 2016, on va dire. Je suis rentrée vers fin 2016 au Sénégal. J'ai ouvert mon premier salon en 2018. Donc, voilà. D'accord. Donc, si on peut supposer, Enera existe depuis 2016. Donc, ça voilà. Fait combien d'années? Ça va faire 5 ans. Oui, 5 ans, oui. D'accord. Mm-hmm. Moi, je pensais que, et nos téléspectateurs aussi pensaient que vous aviez fait une formation. Oui, non. En fait, j'ai en pas... En coiffure. Oui, non. Je fais des formations par-ci, par-là. Par exemple, chaque année, je vais aux États-Unis, je fais une formation intensive et je reviens. Mais non, j'aurais voulu aller à l'école de coiffure aux États-Unis, mais je travaillais en même temps. J'étais cadre dans une... boîte de comme digital, donc j'avais pas le temps d'aller faire certains cours ou prendre certains cours ou faire certaines activités aux États-Unis, comme on le sait, oui, c'est un boulot avant tout. Oui, donc, ouais. Time is money, tu vois. Donc on travaillait très très dur et donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de poursuivre cette formation ou d'aller en école de coiffure. Donc, d'accord. Voilà. Quelle a été votre histoire concernant Enera Beauty, la création? Quand j'ai su que c'était ma passion, j'ai décidé en fait un jour, c'était je pense le lendemain de mon anniversaire, en 2016, en février, je me suis dit bon, il faut que au moins j'ouvre. Je poursuis cette passion-là, en fait. Je savais que je voulais rentrer au Sénégal et ça a été un déclic quand j'ai su que bon, c'est ça que je voulais faire. Je vais rentrer, je vais poursuivre mon plan, je vais faire ça et ça et ça. C'était déjà tout tracé, en fait, dans ma tête. Et donc, en février, je me suis décidée carrément. Je me suis dit, OK, ça fait presque 6 mois, 7 mois que je pense à faire ça et à le poursuivre. Donc, il faut que je prenne... mon destin en main, en quelque sorte, et me dire ok, je vais ouvrir Enera Beauty. Et c'est juste le lendemain, j'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert la page Facebook, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit bon, je vais commencer à vendre des mèches, parce que j'ai pas commencé par les perruques. Ah bon? Oui, je vendais des mèches, des cheveux naturels, on va dire. Et comme j'étais toujours aux États-Unis, c'est elle qui gérait ça ici, en fait. Donc je lui ai envoyé les mèches et c'est elle qui vendait pour moi ici. Et donc, quand je me suis rendu compte que ça marchait petit à petit, je savais faire les perruques parce que je les faisais pour toutes mes copines et tout. Donc, quand j'ai décidé de rentrer, je me suis dit, bon, c'est naturel que je commence à faire des perruques. Et les clientes demandaient, OK, est-ce que tu sais faire des perruques? Je disais oui, donc j'ai commencé à faire des perruques comme ça. La demande a été plus forte. Exact. Et c'est toujours, en fait, comme ça, en fait. Super. Je me plains pas, mais oui, c'est... la demande, tu sais, maintenant, les perruques, c'est beaucoup plus populaire que les poses tissage, oui, par exemple. Oui. Donc, ouais. Alors, Enera, dites-nous, pourquoi Enera? Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Est-ce que c'est un nom symbolique pour vous? Ça représente une marque ou vous avez voulu juste choisir ça? Pourquoi? Racontez-nous un peu l'histoire. En fait, Enera, c'est juste mon nom, en fait. Je m'appelle Aren et je ne voulais pas dire Aren parce que, bon, comme c'est mon nom, je ne trouvais pas ça... Bon, ouais, je voulais le changer, donc j'ai inversé en fait, Aren à l'envers, ça fait Enera, donc, et ça sonne bien, donc j'ai dit, bon, ça va faire Enera Beauty, donc voilà.
comme ça. Super. En tout cas, c'est un nom très rare. Merci. Quelle a été votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, bon, je dirais l'entreprise où je travaillais. Bon, comme je t'ai dit, c'était une boîte de com digital. J'avais un patron en fait qui était très très protecteur, on va dire, et j'ai beaucoup beaucoup appris de lui en fait. Et par rapport à la coiffure, c'est quelque chose qui était naturel en fait, c'était naturel en moi. Comme je t'ai dit, je coiffais mes copines, donc je le faisais gratuitement. C'était plus elle en fait qui me disait, mais pourquoi tu vends pas des perruques ou tu coiffes pas les gens? Comme on était aux États-Unis, les gens aiment bien se faire coiffer et tout. Donc moi, je lui ai dit, bon, qui va acheter mes perruques quoi? Moi, je suis juste une étudiante, genre, personne va acheter mes perruques, personne va être intéressé. Donc je l'ai coiffé par-ci, par-là. Et un jour, il y a une collègue à une de mes amies qui voulait se faire coiffer. Et donc, je l'ai coiffé un jour. Et après, un jour, elle m'a recontactée. Et quand j'ai su qu'en fait, elle venait d'une autre ville, en fait, elle a conduit genre une heure de temps pour venir pour que je la coiffe. C'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il faut que je prenne ça au sérieux. Il faut que je prenne ça au sérieux. Mais je sais que je ne vais pas le faire ici aux États-Unis parce que je me suis dit que le marché là-bas est tellement saturé. Saturé, en fait, c'est vrai. Où là où j'étais, j'habitais à Miami, c'était assez saturé. Je me suis dit, bon, je pense que je pourrais mieux me développer ici au Sénégal que là-bas, en fait. Ouais, donc c'est comme aussi, ça que j'ai fait le choix manque, de rentrer. En fait, on a besoin des personnes avec beaucoup d'expérience. C'est ça. Vous. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est mieux que je rentre au Sénégal parce que ici, on aurait plus besoin de moi là que là-bas, en fait. D'accord. Alors, ouais. Enera, depuis quand avez-vous commencé à faire les perruques exactement? J'ai commencé quand je suis rentrée en 2016. J'ai continué à vendre des perruques et tout. Donc c'était début. On va dire fin 2016, début 2017, d'accord, que j'ai commencé à vendre des perruques parce que les clients me demandaient, est-ce que tu sais faire des perruques? Je dis oui, donc je commençais à confectionner. Après, ce qui s'est passé, c'est que comme je vendais que des mèches, quand je recevais l'arrivage de mèches, je les transformais automatiquement en perruques. Donc, on n'a jamais de stock. Vous les confectionnez donc, vous-même? Voilà, on confectionne tout ici et on personnalise selon la cliente. D'accord. Ouais. Très bien. Avez-vous rencontré des difficultés durant votre parcours depuis 2016? J'imagine que ce n'était pas facile. Non, ce n'était pas facile, surtout que quand tu sais, tu es cadre dans une entreprise américaine, tu es bien payé, on se dit, bon, tu as la belle vie, quoi. Tu ne vas pas rentrer au Sénégal pour vendre des perruques, quoi. C'était ça au départ. Ma famille n'était pas trop d'accord, on va dire, mais... Je me suis fait l'objectif, ouais. Mon objectif, en fait, quand je suis rentrée, c'était de leur prouver que je sais que bon, je vais y arriver, quoi. Oui. Je vais vous montrer que je vais y arriver. Ma passion. Voilà. Tout. C'est ça. Donc, j'ai commencé dans ma chambre quand je suis rentrée. Après, ça a pris le garage parce qu'il y avait des mèches partout. J'ai pris le garage. Et après, quand je me suis rendue compte que le garage, ce n'était pas suffisant, ben, je me suis dit, OK, je vais ouvrir un salon. Donc, ouais. C'est super. Ouais. Alors, moi, je suis curieuse et aussi mes téléspectateurs sont curieux de savoir quel type de cheveux vous utilisez pour confectionner vos perruques. Ça dépend ou bien il y a différents types de cheveux naturels? Oui, il y a différents types de cheveux naturels. Il y en a plein. Il y en a trop même, je dirais. Donc, tu peux... Nous, en fait, les perruques qu'on vend sont faites avec des mèches 100% vierges qu'on importe du Vietnam et des Philippines, en fait. Donc, on ne vend pas de mèches qui ont été mélangées, pas de mèches synthétiques, pas de mèches mélangées, on va dire. C'est des mèches garanties. Voilà, c'est des mèches garanties pures et vierges, en fait, qu'on propose aux clientes. Donc, c'est ça qui fait que sur la qualité de nos mèches, on a une assez bonne réputation dans le sens où la cliente, quand elle achète une perruque, on garantit la mèche 10 ans en fait. La mèche peut rester avec la cliente pendant 10 ans, elle ne va rien faire. 10 ans, donc, quand même, c'est beaucoup. C'est ça. Donc, c'est pour vous montrer qu'on est sûr en fait. C'est pour ça qu'on ne veut pas dire que c'est garanti à vie parce que tu ne sais pas en fait. Donc, on c'est dit vrai. 10 ans pour que tu te mettes dans la tête qu'en fait, 10 ans, c'est long quoi. Oui, donc, c'est long. Donc, ouais, donc on a des clientes jusqu'à maintenant qui ont leur perruque de 2016 quand je venais de débuter jusqu'à maintenant, 5 ans.
qui font rien du tout et jusqu'à présent elles changent les couleurs, mm-hmm. elles font différents styles avec et tout. Donc c'est ça en fait. Nous on se base vraiment sur la qualité en fait. La qualité ça n'a pas de prix. Exactement. Alors Enera, là on voit beaucoup plus une tendance perruque. Mm-hmm. Expliquez-nous pourquoi maintenant les femmes elles préfèrent plus les perruques que de se tresser ou de faire un tissage. En fait, la perruque est devenue un accessoire, je dirais. La perruque, c'est devenu un outil où tu peux porter ta perruque rose aujourd'hui et demain, tu la changes et tu mets une perruque rouge, noire. C'est l'effet, c'est le fait de changer, en fait, et de te transformer. Moi, je pense que c'est ça, en fait, qui plaît à la cliente. Quand tu rentres au salon, tu viens avec tes nattes plaquées oui. et tout. Et quand tu ressors, tu deviens une autre personne en fait. Pour moi, c'est ça. La perruque, ça te change carrément. Ça te donne tu deviens une nouvelle personne, ça te transforme. Donc, je pense que les femmes, c'est cet effet changement aussi rapide en oui, fait. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'elles préfèrent aux mèches. Où tu dois rester avec les mèches pendant 2, 3 semaines, 4 mm-hmm. semaines, mm-hmm. où tu devais te tisser, par exemple, le tissage, rester pendant 3 semaines, 1 mois. Maintenant, tu changes ta perruque chaque jour, même si tu veux. C'est vrai. Donc, c'est l'effet de changer cette versatilité-là qui fait que bah, les femmes sont plus... Et puis, c'est facile, tu la portes et c'est tu vrai. L'enlèves quand tu rentres chez toi. Quoi, parce surtout que nous, quand c'est bien fait, comme exactement. Le travail que je vois que vous faites, donc oui. On n'a pas besoin de voilà, et ce qui est important, c'est que on pose nos perruques sans colle aussi. Ah bon? Ouais, on ne les colle pas. Ça, c'est donc, une nouveauté. Oui, on pose sans colle pour permettre justement à la cliente de pouvoir, comme on est dans un pays musulman, mm-hmm. de pouvoir faire leurs ablutions, et, etc., de rentrer et d'enlever leurs perruques aussi facilement. Quoi. Alors, Enera, on sait que vous êtes une professionnelle du perruque et tout. Donc, est-ce que vous faites aussi d'autres différents styles de coiffure tels que les mèches et les tissages? Oui, c'est vrai qu'on nous connaît plus par rapport aux perruques, mais oui, on fait des tissages, on fait des tresses, on fait des soins aussi. Ah bon, oui. Ça, je savais pas. Oui, oui, c'est vrai que... Je m'imagine aussi que ceux qui nous regardent, ils savaient pas que non, vous faisiez non. des soins. Mm-mm. On est plus perruque, c'est vrai qu'on est, c'est ça notre spécialisation, mais on fait autre chose, quoi. On fait tout ce qui est tissage, ouvert, fermé, avec frontal, closure. On fait des tresses américaines, tresses knotless, tout ça. Et ouais, on fait ce qu'un salon de coiffure fait. Complet. Mais on est plus focalisé sur les perruques. C'est ça qui fait notre force, quoi. C'est bien mm-hmm. ça. Donc, ouais. Surtout en ce moment, on est en été. Oui. Quel style de coiffure vous conseillez à vos clientes ou aux gens qui nous regardent, surtout aux filles comme moi? On n'aime pas avoir chaud, du coup, voilà. On aime bien être léger. Et tout. C'est quel vrai. Style vous conseillez? Bon, comme il fait très, très chaud, les clientes vont plus vers des coiffures plus courtes. Ça, c'est normal. Les coupes carrées comme ce que c'est j'ai. C'est trop beau. Ou des petites coupes comme des petites têtes et tout ça. On a eu une collection, on a sorti une collection il y a, je pense, un mois et demi de cela. Que de petites coupes, en fait, parce qu'on sait que c'est l'été. Donc, les gens, elles préfèrent des perruques courtes. Donc, soit des perruques courtes ou aussi les couleurs. Tu vois que on voit une tendance, en fait, avec les clientes. Quand on arrive vers l'été, elles veulent faire des colorations sur leurs perruques et tout. Donc, voilà. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Alors, moi, la question que je me pose, et aussi certaines personnes, qu'est-ce qui inspire une coiffeuse quand elle réalise une coupe sur une personne? Sur sa cliente, parce que on a différentes clientes, donc oui. ça dépend aussi des visages, des morphologies. C'est ça. Vu que vous êtes une professionnelle, pouvez-vous mm-hmm. m'expliquer un peu? Les coupes ou les perruques diffèrent selon celle qui la porte. Je peux porter une coupe carrée, tu peux porter une coupe carrée, mais l'effet ne sera pas la même chose, c'est tu vrai. Vois. Donc déjà, juste ça, c'est il y a une grande différence. Mais des fois aussi, les clientes vont sur la page Instagram, elles prennent une photo d'une cliente qu'on a coiffée et elles veulent la même coiffure. Et donc, des fois, tu dois essayer de leur expliquer que vous n'avez pas la même forme de visage, donc cette coiffure-là ne peut pas aller avec la forme de ton visage. Donc, c'est vrai. Donc à ce moment-là, tu refais la coiffure, mais tu essaies de modifier un peu. Mais il nous est arrivé de vendre une perruque, par exemple une petite tête, qui s'appelle, bon, c'est la perruque Simone, à plein de clientes. Et à chaque fois qu'une cliente l'a mise,
c'est différent, ça donne un autre effet, donc, parce que tu la coiffes différemment selon le visage. Voilà, c'est ça aussi qui fait la différence, que les gens ne sont pas pareils. Donc, quand elles mettent une perruque, il faut que tu essaies de voir qu'est-ce qui va le mieux, en fait. Mm-hmm. Comment coiffer pour que ça aille à la morphologie de son visage. Ouais, voilà. Faites-vous aussi du make-up, vu que vous m'avez dit que vous faites du soin et tout? Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, on fait du maquillage. Du maquillage professionnel? Oui. Oui, oui, on a deux maquilleuses qui maquillent au salon. Donc, on fait des maquillages simples, soirées, de maquillage pour mariés aussi, avec essayage. Donc, les mariées, elles viennent, elles font un essayage d'abord, avant le jour J. Donc, on fait du maquillage. Ah, d'accord. Elles font d'abord un maquillage avant le jour J. Voilà, okay. Pour ne pas avoir de surprise, en fait, rare, des fois. Surtout ici au Sénégal. Oui, non. Donc, elles viennent, elles font l'essai. Elles essayent le maquillage d'abord sur leur visage. Si elles ont des modifications, elles le modifient à ce moment-là. Comme ça, le jour J, quand elles viennent, on fait le maquillage qu'elles ont. C'est très bien, ça. Pour éviter les surprises, quoi. Ouais, j'imagine, voilà. J'imagine. Alors, Enera, êtes-vous en partenariat avec des marques ou avez-vous créé votre propre marque de produits capillaires, vu que vous êtes dans la coiffure et tout? Non, je ne suis pas en partenariat avec d'autres marques de produits parce que moi, j'aspire à vendre mes propres produits capillaires, en fait. Donc, pour le moment, on a sorti nos produits d'entretien de perruques. Donc, c'est spécialement dédié aux perruques, en fait, parce que je me suis dit, quand on vend la perruque à une cliente et on la vend, on va dire, cher, il faut que tu leur vendes en même temps qu'elles aient l'option aussi de pouvoir s'en occuper après pour garder la longévité de cette perruque-là. Et donc, c'est pour ça qu'on propose nos produits de soins aux clientes. Donc, oui. Donc, on a nos propres produits d'entretien de perruque. Et après, bon, là, c'est pas encore sorti, mais on est en train de travailler sur une autre gamme capillaire pour les cheveux naturels. D'accord. Voilà. Mais là, je vois une gamme, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parlez, pouvez-vous nous expliquer les différents... Bon, il n'y a pas tout ici. Ouais, mais on a le shampoing. Là, on a le démêlant, oui, voilà. Je pense. Oui, on a le shampoing, le démêlant. Ça, c'est du edge control qu'on peut utiliser. Ça sert à quoi? Ceux qui ne connaissent rien en coiffure. Le edge, c'est ce que tu as fait là, sur pour plaquer, en fait, voilà, tes baby hair à toi. D'accord. Donc, il y en a un. Celui-là, c'est pour les cheveux relaxed, défrisés. D'accord. Et celui-là, c'est pour les cheveux nappis. Okay. Donc ça, il y a le shampoing et le démêlant. Il y a la mousse capillaire aussi. En plus, ça, c'est super bon. Oui. Oui. Il y a la mousse aussi, la mousse coiffante. Il y a la cire qui sont là-bas. Ah, OK. On verra, on a une large gamme. Hein. Oui, il y a la cire, il y a la mousse, on aura un sérum et une crème pour définir les boucles des perruques et tout. Donc, voilà. Oh, c'est super. Je suis trop contente de voir du Made in Sénégal au moins. Oui. Bah oui. Là. Est-ce que vous avez pensé à faire une masterclass ou l'avez-vous déjà fait concernant les perruques? Non. J'ai pas pensé à faire de masterclass, même si on le demande, en fait. Qu'est-ce que vous faites, des masterclass ou pas? Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je suis pas encore. Je sais pas. J'ai pas encore décidé, en fait, de le faire. D'accord, ça vient. Ouais. En tout cas, il le faut, hein, parce que vous avez... Plein de gens le disent, mais oui. C'est quelque chose, peut-être dans le futur, j'y penserai vraiment Inch'Allah. À le faire. Ouais. En même temps, les produits, mes produits capillaires aussi. J'aimerais bien me focaliser sur ça après et proposer plein de gammes, tu vois, approfondir votre large gamme de produits capillaires. Pour aller même gamme pour la peau, pour plein de choses. Ouais. Et les enfants, ils peuvent les utiliser ainsi c'est que ça. Les hommes? Voilà, c'est ça. Donc, côté corporel, vu que vous me dites que vous avez des produits à faire bientôt. Déjà. Voilà, les produits qui vont sortir là, c'est des produits capillaires. Oui. Les produits corporels, bon, c'est un rêve que j'ai. C'est pas encore le cas, mais les produits capillaires, oui, il y aura deux gammes. Il y a une gamme pour adultes et il y a une gamme pour enfants. D'accord.
D'accord. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant, ça. C'est la première fois même que je dis ça. Mais ah, mais on a l'exclusivité en Fashion Africa. J'ai pas encore annoncé à mes followers. Que... Là, ça fait l'occasion. Ils vont regarder ça. Donc, ouais, donc il y aura une gamme pour les enfants. Parce que, okay. Ouais, c'est important. C'est important d'entretenir aussi les cheveux des enfants. Des enfants et tout. C'est important. C'est important. Donc, voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui vous regardent et qu'est-ce que vous pourriez leur apporter pour avoir le même parcours que vous? Parce que vous êtes un exemple dans ce domaine. Je dirais il faut beaucoup croire en soi. Moi, des fois, j'ai ce dilemme-là où je me dis, je me pose des questions, je me remets en question, j'ai des doutes sur moi et ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais dans le fond, il faut que tu crois en ta personne. Sinon, je n'aurais jamais quitté les États-Unis pour venir ouvrir un salon ici. Okay. Je serais restée là-bas juste par peur d'aller droit dans le mur, quoi. Mm-hmm. C'était ça la plus grande peur. Est-ce que je vais y arriver? Et ce n'était même pas une question. Je savais que ça allait marcher, en fait. Je savais que j'allais rentrer et que j'allais bosser pour montrer que je peux le faire, tu vois. Et il n'y avait pas de plan B. Quand on se lance dans un projet, il ne faut pas avoir de plan B, en c'est fait. Vrai. Moi, je me suis dit, peut-être que si ça ne marche pas, j'ai toujours mes diplômes. Au moins, vous avez tenté. Oui, ouais, j'ai toujours mes diplômes. Au moins, je l'aurais fait, j'ai l'expérience. Mais dans le même coup, je me disais, non, il n'y a pas de sinon, si ça ne marche pas, ça va marcher. Donc, je vais montrer que je peux le faire. Donc, il faut que la confiance en soi, elle soit au top. Il faut que tu sois confiante de ce que tu proposes aux clients. Et il faut tout le temps faire des trucs nouveaux, il faut tout le temps innover, suivre la tendance, voir ce qui est nouveau, ce que tu peux améliorer, proposer certaines choses, c'est important. Donc c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut entreprendre ou peut-être dans le même domaine ou dans un autre domaine. Il faut que tu sois sûr de ce que tu fais et que rien ne pourra t'arrêter, en fait, quand tu es sûr de toi et quand tu as confiance en ce que tu fais. Donc, voilà. Et surtout aux jeunes aussi, il faut le préciser, rien n'est facile, rien n'est facile. Ouais. Pendant la période Covid, on a fermé pendant 2 mois. C'était très, très compliqué. Le fait de ne pas pouvoir travailler, c'est genre, on a avancé parce qu'en 2019, on était comme ça, on allait sur une bonne pente et le Covid est venu. Donc, ça a tout ralenti. Ça a tout ralenti. Donc, même pour recevoir nos mèches, à un moment donné, c'était quasi impossible. Donc, c'était très, très compliqué. Je me suis même dit, est-ce que je ne vais pas fermer le salon une bonne fois, en fait? Mais heureusement, tout s'est bien passé. Mais, et jusqu'à présent, on se relève tout doucement, en fait. Tout doucement, on se relève. Donc, c'est comme si on a pris 10 pas en arrière. Donc là, on est en train d'avancer petit à petit. Donc, ouais, il y aura des moments qui vont être difficiles. Mm-hmm. Mais il faut que, comme j'ai dit, que tu crois en toi. Sans ça, tu ne pourras pas avancer. Oui, croire en soi. C'est ça. Ça, c'est important. La base. C'est d'abord. La base. C'est la base de tout projet. Il faut que tu crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, les autres ne vont pas y croire. Mm-hmm. Ouais, donc, c'est important. En tout cas, merci beaucoup pour ça, surtout aux jeunes. Oui. Chers téléspectateurs de FA Channel TV, j'espère que cela vous poussera à venir vous faire belle chez NRA Beauty. Oui, parce que NRA vous propose une beauté 100% oui, hein? naturelle. 100%, et en plus, oui. Vous aurez la totale ici. C'est ça. Tu viens, tu te coiffes, après tu te maquilles, tu seras transformée au top. Métamorphosée. C'est ça. Comme je vous le disais, NRA vous promet une satisfaction totale. Alors NRA, là, nous sommes presque au terme de notre émission. Oui. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Franchement, vous êtes très, très sympa et très merci. Gentil. Ça m'a fait c'est beaucoup gentil. Plaisir. Je ne sais pas beaucoup. Vous, mais en tout cas, moi, j'ai adoré faire cette interview avec elle. Quel merci. Est votre mot de la fin? Donc oui, merci beaucoup à Fashion Africa d'être venue dans notre espace. Merci à vous. Donc je remercie tout le monde. Je remercie nos coiffeuses. Notre gérante qui, sans elle, qui gère nos clientes et nos commandes et tout. Et mais
le meilleur pour la fin, ben, c'est nos clientes, quoi. Merci à nos clientes qui, depuis mon garage de chez moi, chez mes parents, elles me suivent jusqu'ici. Vraiment, sans elles, Enera Beauty, c'est rien du tout. Donc, je suis très, très... pas contente, mais je suis honorée, en fait, du fait que certaines personnes te suivent après année. Année après année, en fait, elles te suivent. Tout ce que tu fais, elles achètent. C'est vraiment, vraiment ça. Il y a des clientes qui sont magnifiques. Donc, merci à toutes nos clientes de Enera Beauty. Et ouais, donc, le meilleur reste à venir. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit, ouais. Voilà, chers téléspectateurs. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous l'avoir présentée, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Bye bye.